D'accord. Bonjour les Minecraftiens, ici c'est B35 qui ne prévient pas de creepy avant de commencer un tournage. Ouais, exactement, tu m'as surpris là. Salut à tous, voilà, hein, voilà, on doit faire une présentation, je l'ai fait, voilà. C'est marrant. Ouais, tout à fait. Bonjour les Minecraftiens. Bienvenue dans ce nouveau. Là, tu sais, je suis à moitié que blasé, voilà. Tournage in extremis, voilà. Donc vas-y, je te laisse la parole, CLB. Alors, donc du coup, ceci est Sonic CD qui... Ouf, j'ai cru que ta RAM avait freeze. Heureusement que non. Sonic CD est sorti, développé durant 92. Sorti probablement en 92 aussi. Au Japon, aux États-Unis et en Europe où les versions sont différentes. Je tenais à vous recorder dessus car j'ai atteint un peu le niveau le plus mythique de ce jeu, à savoir Stardust Speedway, qui se conclut par un magnifique combat contre Metal Sonic qui fait sa première apparition ici et kidnappe Amy, voilà. C'est un bon vieux Sonic 2D sorti sur Mega CD. Mega Drive. Je suis con, Mega CD. Oh là là. Il est sorti sur Mega Drive accessoirement. Et si on prend en compte que la Mega CD c'est juste un add-on de la Mega Drive, c'est Mega Drive. Hein. Ouais, pareil que à dire Mega Drive. À l'instar de la 32X. La 32X, oh putain. La 32X. C'est quelque chose. Ah bah tiens, je suis parti dans le passé, je crois. Ouais. Dans Stardust Speedway. Putain, on n'est pas sorti de l'auberge. comme moi je l'ai fait, le combat, tu sais, je vais pouvoir t'aider un peu à te dire comment faire. Alors, il y a une technique qui marche très très bien. Alors, pour ceux qui ont fait le niveau, soit vous y attendez, soit vous y attendez pas. C'est Gotta Go Fast, l'aile. Voilà. Sans déconner, je pense que c'est la meilleure technique au monde pour le passer, le boss. On n'a pas... Que, ouais, oui, c'est ce qu'avait dit, j'ai regardé le 80 Miles Sailor de Cœur de Vandal et Red Myop sur Sonic CD en featuring le joueur du grenier. Voilà. Et oui, tout à fait, là, c'est une référence. Et c'est pour ça que c'est le 80 miles de l'heure. Oui. Obviously. Vieille chronique. Vieille chronique. Et je perds mes mots. Non, plus sérieusement, il disait que contre ce boss, on a juste pas le temps de perdre une seconde. Impossible. Et bah ça promet, moi j'ai connu que la version Sonic Generations, donc je m'attends à un truc, je dirais pas pépère, mais bon, pas insurmontable. Peut-être que je vais déchanter, peut-être certes que... c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable, hein. C'est voire même après avoir la technique et être mort 7 milliards de fois et avoir cramé des vies. Et c'est là où tu vois que les sauvegardes ça sert, donc parce que le reboot de l'émulateur, tu vas voir, ça va te servir. Je vais faire une petite sauvegarde rapide quand j'arriverai contre Metal Sonic quand même, parce que je veux pas que le MC4 dure 3 heures. Et je prends. Oui, une save state. Et je prends la résolution. Je bafouille terriblement. Je prends la résolution de battre ce boss avant la fin du MC4 Play. Tant pis si le MC4 Play dure 72 minutes, rien à branler. Je finis Metal Sonic. Et ça se trouve, si je torche en 4 secondes, ce qui a peu de chances d'arriver, ben on pourrait presque continuer d'autres niveaux. Mais bon, faut pas non plus imaginer des monts et merveilles. Hein, je ne peux pas vous offrir tout ce que vous voudriez non plus. En tout cas, des petits MC4 Play comme ça, avec deux personnes au commentaire. Fait à l'arrache, certes, mais qui permettent de... Qui regarde en plus même pas ce que tu fais, parce que y a pas le partage d'écran sur Discord. À mon avis, mon micro doit être absolument à chier, parce que toi, au début, quand t'as commencé à record, ça fait n'importe quoi. Je pense que c'est tout à fait potable. Mon micro est potable, tu vas me dire. Hein. Oui, très très bien. Nos auditeurs seront contents. LOL. Voilà, après avoir sorti cette blague, je vais la fermer, je vais laisser la parole. Voilà, donc là je suis paumé dans un des énièmes labyrinthes du putain de jeu. Faut savoir que le level design est très différent des autres Sonic Mega Drive, c'est-à-dire que c'est des niveaux hyper, hyper vastes et vachement labyrinthiques. Ouais, bah en fait Sonic Boom sur 3DS quoi. Pour ceux qui ont joué et qui ont goûté, parce que moi j'ai joué sans 5 minutes. Shadow Crystal, tu veux dire, hein, parce que faut pas qu'on confonde, il y a plusieurs jeux qui sont estampillés Sonic Boom. J'ai dit Sonic Boom sur 3DS. D'ailleurs, hein, coïncidence, juste pour te dire, seul jeu Sonic Boom auquel j'ai joué, c'est la version 3DS en convention. Et sur les cartes, il était marqué Sonic Boom sur la 3DS de démo. Voilà. Donc c'est Sonic Boom 3DS. Donc Sonic Boom Shattered Crystal. Je disais donc coïncidence rigolote, mais qu'il n'en est peut-être pas une coïncidence. Ben moi je sais pas. Eh bien il faut savoir que Sonic Boom c'est aussi le nom de la chanson principale de Sonic CD. Comme quoi tout est lié.
Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, na 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 na, Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Oh putain, Metal Sonic. C'est bon, les choses sérieuses commencent là. Metal caca, voilà. Voilà, là on voit Eggman qui fait le malin, mais qui va tomber dans le ravin. Merde, les lasers. Il est malin, il va tomber dans le ravin. Putain de merde. SMB, je sais chanter. On a juste pas le temps de déconner. Ah bordel, je me suis pris mon premier coup sur sur ce combat. Alors en fait, tu vas voir, essaye de choper toutes les techniques que tu peux, mais essaye d'aller vite. Ouais, il a les mêmes attaques que dans le. Ah merde, je suis déjà mort tué par le rayon d'Eggman, ça commence bien. Oh là là. Ah, j'avais dit que je faisais une safe state quand même. Safe state F5 pour la load CF8. Ok. Les safe state, hein, tu vas voir, ça sert. Pour le coup, ça n'a jamais été plus utile que dans ce jeu, franchement. Ça va vraiment. Première fois que j'en utilise dans ce jeu, hein, et je suis désolé d'ailleurs, hein, s'il y en a que ça énerve, mais là pour le coup, j'ai pas envie de faire des gammes au vert hein, et de vous refaire les deux premières minutes de la vidéo en boucle. Bon. Putain, mais je perds mes rings avant même que la course commence, quoi. Oh, pour les rings, à la limite, tout ça m'a les couilles. De toute façon, soit tu dois te faire niquer immédiatement, soit fast. T'as pas beaucoup de choix. Bon, bah, je suis passé devant Metal Sonic, ce qui est déjà une première étape. Alors, si t'es déjà passé devant Metal Sonic, bon, bah déjà c'est cool. Bah, il me rattrape ce con. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Te rattraper. Ouais, c'est le concept d'une course. Sans déconner, putain. Bon, à chaque fois qu'il fait son attaque de charge, là il me passe devant, mais je le rattrape juste après donc. Tu le rattrapes EZ, comme disent les gros geekos des Picubes. Merde, je viens de me faire toucher par. Enfin, sa putain de charge électrique de merde. Hein. Deux fois. De charge. Avec sa charge électrique de merde. Merde, putain. Buter contre des pics sans même que c'est. J'ai gagné. J'en ai marre. Voilà. Pardon. Putain, c'est comme le boss final de Splatoon. On m'a survendu le truc, quoi. Oh, sérieux. T'as réussi à le passer. J'ai réussi à le finir, putain. Merveilleux. Bah, je. Ouais, pour le coup, on me l'a un peu survendu. Hein. Je m'attendais à plus dur. Et là, on a l'impression que je me vante de mon skill infini et tout, mais franchement, waouh! Mais moi, ça me fait plaisir, hein. Ça va même nous permettre de faire un petit peu la zone qu'il y a juste après. Là, j'ai l'impression, tu vois, quoi, de m'être finiqué parce que toi, t'as réussi à l'avoir easy. Du deuxième coup, quoi, à la deuxième vie, j'ai même pas eu Halo de la safe state, rien à foutre. Quelle performance, putain! Première fois que je combats Metal Sonic, hein, je vous rappelle. Le joueur du grenier a été traumatisé durant son enfance à cause de ce boss, à peu près autant que pour Tintin au Tibet. Ah ouais, non mais il est. The Creepy me parlait de recommencer 700 fois avec la safe tête. Tu savais combien j'ai recommencé. J'ai bloqué une fois. Je sais pas combien de fois j'ai recommencé, mais là, putain, du premier coup, franchement. Deuxième coup, je suis pas mort une fois. Rattrapé par le laser d'Eggman en plus, c'est peut-être pas la mort la plus glorieuse. Ah, vraiment, GG, hein. Vraiment, GG. Ouais, putain, nous avons un The Creepy admiratif, je crois que c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ah, là, franchement, GG. Merde. Là, je viens de me faire écraser par un pilier qui allait à 2 à l'heure dans le niveau qu'il y a juste après. Ça vous fait relativiser sur mon skill, hein, je vous rassure. Pourquoi est-ce que tu veux me faire aller ici? Il fait d'autres trucs en même temps, le The Creepy, hein. Il fait des trains! Des métros! Ok. Et j'ai l'impression qu'il passe ses soirées à ça un petit peu. Peux-tu me parler un peu plus en détail de cette activité? De toi, que je te parle, de que je. Oh, t'as vu, je conduis des trains. Oh mon dieu. Oh, klaxon. Mon dieu, mais qu'est-ce que. Attends, tu veux que. Si tu veux, je vais mettre les haut-parleurs, on va attendre tout en écho, ça va faire plaisir à nos chers auditeurs. Nos chers auditeurs vont te virer de la MC4 Team par contre. Ils ont le droit. C'est eux qui choisissent. Non mais des fois j'ai l'impression que certains joueurs d'MVO5 pensent que c'est comme ça que ça marche, qu'ils disent ah The Creepy il kiffe des trucs, full ban. Non. J'ai des trucs, bah déjà c'est parce que j'ai totalement envie. Ah The Creepy nous fait plaisir en nous offrant gentiment des choses, full ban. Après surtout si je dis des trucs c'est pour soit une bonne raison. Ou soit TG, voilà, c'est. J'ai pas donné des trucs comme ça, hein. Ouais, je te rappelle qu'à la base, t'avais pas censé avoir le droit, hein. Oui, je sais, mais j'ai pas donné des trucs comme ça, c'est pas le Kinder Surprise, hein, faut pas déconner.
si je give des trucs, c'est franchement qu'il y ait une raison derrière. Pas parce que il m'a demandé qu'il en a pas. Ou qu'il a la flemme d'en faire. Non, voilà. En plus, franchement, je suis très peu actif sur le serveur parce que MLG Révision. Ouais, voilà. Bah, tout le monde est très peu actif sur le serveur parce que MLG Vacances dans à peu près toute la France, quoi, sauf chez moi. Zone B1 bah, puissance. Toi, c'est fini là, avec la... Toi, c'est fini les vacances. Ouais. RIP. Donc là, toute la zone B, toute la zone C est en vacances, donc du coup, The Creepy, on le croise que donc, sur les périodes. Donc Paris et le reste, voilà. Bon, Paris et le Paris, reste, le mais sud. Pas la Bretagne, pas le haut de la France, quoi. Enfin, tout le milieu, tout le Paris sud, quoi. Et le sud. En fait, tu sais, ils se sont dit que pour notre zone, ils sont. Je sais pas pourquoi, soit ils ont été vraiment gentils, ou. Je sais pas. Mais. Enfin, moi, ça m'aurait pas fêté de me retrouver avec les Parigots. Hein. Ouais, bah nous on est avec les Parigots pourtant, désolé, nous on dit chocolatine et eux ils disent pas au chocolat. Et moi aussi je dis pas au chocolat, putain. On va peut-être arrêter avec les débats de région là, parce que bon, entre un Toulousain et un Breton... Débats de région, si on va par là, hein, Bardi, t'as vu, je sais dire rocade, moi je dis pas périph. Moi aussi ça peut m'arriver de dire rocade. Ouais, bon... La rocade de Rennes, tu connais les bails. Moi je dis toujours le périph, ça changera jamais. Ça m'arrive de... Enfin, je me gourre, putain, je dirais toujours au cadre, des fois perruf. Oh là là, je me confonds, non, en fait, surtout que... En vrai, comme sur la rocade chez nous, il est marqué périph, bon, bah des fois, tu dis périph, normal. Et voilà. Tu vois, là, ça n'est pas... Tu vois, là, c'est sorti tout seul de dire périph. Hein. Pourquoi, là, c'est quoi cette limitation à 33 km/h? C'est parce que tu montes un truc, c'est... C'est quoi cette limitation à 60 fps? C'est parce que plus ça ne servirait à rien. Non, en fait, c'est surtout que moi, là, tu vois, mon métro, enfin, mon train, enfin, en fait, j'essaie de chercher depuis tout à l'heure un train pour l'express régional, sauf que comme c'est un mode japonais, que malheureusement, si j'essaie de chercher sur les forums, j'aurais très peu de chances de tomber sur un TER ou un Régiolis, pour te dire, le remplaçant du TER, ouais, ouais. Putain, ils ont eu besoin de remplacer le TER. Ouais, bah, c'est remarqué, le TER, il est un peu vieux, et surtout que le TER Essence, qui est un moteur de bus, tu l'entends que c'est un bus. Ah bah moi j'ai quasiment jamais pris le bus de ma vie, donc au pire, et le TER pareil, donc... Ouais, bon, bah en fait, tu vois le bruit d'un du car, quand tu prends le car. Ah là, là c'est vrai, bye. Ça fait le même. Voilà, là ça fait le même bruit, le TER fait le même bruit. Fait que ce soit bus ou car, sans déconner, ça c'est exactement le même putain de bruit, donc que tu prennes l'un ou que tu prennes l'autre, ça va pas changer ta vie. Bah oui, foncièrement un car et un bus, y'a pas beaucoup de différence, hein. L'un est public, l'autre est plus ou moins privé. Oh là, un public, l'autre est quasiment privé. Alors, bon, nous, on a le bus régional. Je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, parce que c'est le cas régional, mais ça, tout le monde le sait. Techniquement, chaque région, à peu près... Putain, je viens de mourir 4 fois de manière très humiliante devant les viewers, là. Là, t'es mort. De manière très humiliante. Faites 2 game over depuis que j'ai battu Metal Sonic. C'est un peu la honte. Et au prochain, on arrête la vidéo, peut-être. Ou pas, on verra. Ou pas. Alors, on arrête la vidéo. Tu sors la vidéo improvisée. Mais c'est une vidéo improvisée, de toute façon, c'est je pense que ça a jamais pris. Et vu mon skill face à Metal Sonic, j'ai presque envie de mettre un clickbait du genre « C'est la première fois qu'il affronte Metal Sonic, ce qui va arriver ensuite va vous étonner. » Oh putain, non mais... non, c'est pas un titre putain, c'est pas gentil. Les pauvres viewers. Tu sais, les mecs, ils vont se dire « Ah mon dieu, et on vous prend pour des cons. » Ouais, c'est ça, j'allais dire ça, et ensuite on va les prendre pour des cons, les viewers. Mais les viewers ne sont pas... Bah, le truc, c'est que... Je suis bien obligé de faire un petit peu de sensationnalisme dans les titres de Minecraft Zestofer par exemple. Un petit peu d'optimisation comme on dit. C'est très léger en fait, le titre de Minecraft Zestofer, c'est encore, il y a pas trop la matière à faire du clickbait faut pour FBO. Non, mais faut faire un mashup, hein. faut raccourcir un mort pour faire genre ouais t'as vu ouais. Oui, si je prends une voix absolument inaudible, c'est normal. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais le dernier épisode de Minecraft vous est offert, et bah, bizarrement, j'ai pas tout à fait la même voix. C'est parce que vu que c'est pas moi qui record, bah, il y a le passage par la connexion internet qui fait que ça déforme un petit peu la voix. La connexion du bled, papa. Du bled. La connexion de campagne, pour être plus précis. La connexion de campus, lolololol. Ah, t'es con. Mais sérieux, j'ai bien aimé ta dernière vidéo sur CSGO. Ah, bah, je suis. À ne pas confondre avec Pokémon Go, évidemment. Oui. De toute façon, tout le monde sait ce que c'est CSGO, donc à la limite.
peu de chance que les Let's go, ça veut dire Counter-Strike Global Offensive. Ou ça, sinon, on peut faire une blague Counter-Strike Global Offensive, hein. Global Pénétration, voilà. Pardon donc, comme ça, le point Godwin, ben, Counter-Strike. Voilà, pas besoin de dire grand chose d'autre. Alors. Et ben, subtilité au rendez-vous. MC4Team n'est pas très. Très à fond sur ce genre de blague. Désolé pour le petit bruit de micro que vous devez entendre assez régulièrement dans les vidéos. Mais voilà. C'est un tout petit bruit que j'aime particulièrement, c'est quand je fais ça. Dis-toi, le mec, t'as l'autre, s'il fait la vidéo, il dit attention, il y a le petit bruit. Mais on s'en fout. On s'en fout, on l'aurait même pas remarqué si tu m'avais pas dit. Maintenant, on voit que ça et on se rend compte que le son est inaudible sur ces vidéos de merde. Alors, comment tu peux faire? Alors, franchement, si t'arrives à voir le son, mec, GG, parce que dans le spec visuel, le son, on peut pas le voir. Oui, parce qu'il faut savoir que le son, c'est une onde. Merci. Thanks, Captain Obvious. C'est une onde et surtout, ce n'est pas une onde lumineuse. Donc, elle peut pas être dans le spectre visible de la lumière. Vu que c'est une putain d'onde sonore et pas de lumière. Pas tellement d'onde lumineuse. Il faut savoir que tout ce qu'on voit, la couleur, c'est des ondes. Oui, alors, moi-même, j'étais. Moi-même, j'étais niqué quand le prof m'a dit. Ouais, donc tout, c'est une onde. J'ai été en mode, ok. Why not? Putain de merde, oui. Mais comment on peut passer ça? Je suis passé par le haut alors que je fallait passer par le bas. Okay. C'est assez impressionnant de savoir que en fait les couleurs, si on voit les couleurs sont comme ça, c'est parce que notre spectre visuel, en fait ce qu'on peut voir, il n'y a que ça. Parce que en fait les ondes radio, mais ça fait en fait le spectre visuel pour nous, on va dire que le spectre visuel, il y a tout ce qu'il y a dedans. Genre par exemple, imaginez qu'il y a les rayons gamma, ça et là, les ondes radio. Ben, imagine si ça fait partie du spectre visuel. Et que ce spectre visuel soit immense. Ben, nous, nos couleurs, ça fait partie de ce spectre visuel, mais il est microscopique. Genre, on aurait une couleur radiophonique. Humain. C'est pour dire pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce que les serpents arrivent à voir la chaleur? Parce que la chaleur émet des ondes. Tout simplement. Donc, c'est parti du. Bon, en fait, c'est très compliqué, c'est un cours de physique. Et si je me trompe, parce que. Enfin, non, c'est pas de la physique, c'est de la chimie. Pardon, et comme en chimie je suis une merde. Je dirais plus physique moi perso, mais. Mais c'est juste que là je me souviens de mon cours, c'est tout. Voilà. Ton cours de 3ème. Mon cours de 3ème. Alors que moi je suis au cours de 4ème. Et que donc je pourrais te lire que l'oxygène est le seul gaz à entretenir la combustion. Ouais. Tout le monde s'en fout. Tout le monde se fout, yeah. Oh tiens, je dois voir, j'ai un métro de couleur rose. C'est extrêmement viril. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Oui, tout le monde s'en fout, Bah putain, connard. Franchement, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on a que des trains, les trains courts? Donc ce que j'ai besoin, il faut qu'il soit rose ou soit Bordeaux. Putain, qui a fait la palette? Bon, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. Bon, je suis mort plein de fois de façon ridicule, mais faut se dire que la performance de début de vidéo était quand même franchement sympa. Et ça vous donne un aperçu aussi des discussions qu'on peut avoir avec The Creepy. Si vous voulez intervenir dans ces discussions, eh bien, connectez-vous au Discord de la MC4Team. Le lien est dans la description, ça vous permettra de discuter avec... Un rayon miniaturisant. Putain, si j'avais pu passer là-dessus, super. Il vaut mieux pas. T'es mec, discuter avec la MC4Team, non. Sérieux, vous pouvez venir, il y a un lien dans la description vers le Discord. Le site qui s'appelle Discord, si qui héberge notre serveur vocal. Ce sera pas la cause. Si vos parents vous engueulent à cause de votre langage, Bah oui, hein, comme on avait dit, pour MVO5 Peggy 10, principalement à cause du mort de The Creepy, pour le Discord, ça vaut d'autant plus. Et c'est pas tant une limite d'âge qu'une limite de tolérance aux blagues un peu limites et. Voilà, les blagues absolument très très Charlie, comme dirait notre ami CLB. J'adore quand tu dis ça, c'est pas très Charlie. Parce que ben ça me fait marrer. Tout ça. Mais du coup, j'ai infecté un pote à moi, Knowledge Black Hole, si ça vous parle. Et je pense pas, il est cité en remerciement des chroniques de l'explorateur. Je l'ai totalement contaminé, il le sort 3 fois, voire 4 fois plus de fois que moi. Bref, en tout cas, tu sais, les chroniques de l'explorateur que tu fais, franchement, c'est vraiment pas mal perçu. Donc, oh, c'est sympa. Je trouve que c'est vraiment. C'est un truc qui est vachement sympa et surtout, je sens que la série va marcher. Cool. Et regardez ce que vous voyez à l'écran, ouais, là, c'est une prouesse technique pour une Mega Drive. Hein. C'est franchement. T'étais sur Super NES à l'époque, tu disais putain, mais en fait, c'est trop bien. Pourquoi je suis chez Nintendo?
devenez des Sega Fags. Même si, bon, pour l'instant, Nintendo se porte un petit peu mieux que Sega à l'heure actuelle du marché. Bah, attention, Sega, maintenant, ils sont morts. Leurs plus belles années sont derrière eux, c'est clair et net. Oh, ouais, c'est clair. J'ai hâte de voir l'époque où Sega va être racheté par Nintendo et que tout le monde pensera que Sonic est un personnage Nintendo. Oh non. C'est loin d'être le cas. Et si un jour c'est le cas. Non, ça sera jamais le cas. Mais peu importe, dis-moi ce que tu veux, mais non. Jamais les gens seront assez cons pour penser que ce sera fait par. Je suis sûr qu'il y a déjà des imbéciles qui pensent que Sonic est un. Sûrement peut-être que Sega fait partie de Nintendo, mais Sega n'a pas été créé par Nintendo. S'il y a des gens qui croient ça, qui me le disent tout de suite. Je les envoie au goulag. Bon, bah sur ce. Sur ce, je vais quand même arrêter cette vidéo. Je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était Céline. Merci.